OK, je vais débuter. Vous avez passé un bon week-end, j'espère. Moi, j'ai fait l'erreur de ne pas travailler ce week-end. Donc là, c'est un peu difficile à redémarrer la machine. Les autres week-ends, je travaillais, donc ça faisait pas une grande différence le lundi. Donc, j'ai besoin de vous autres pour me donner un peu d'énergie là, pour que ça parte, ce truc-là. Donc, ceux qui l'ont fait, je vous remercie d'avoir évalué les aides à l'enseignement, là, c'est super utile. J'attends la fin. Ce que je fais, c'est que je lis les commentaires maintenant. S'il y a des choses urgentes, je vais demander aux aides à l'enseignement de corriger. Mais les commentaires que j'ai jusqu'à maintenant sont très positifs. Et sinon, à la fin du semestre, je remets les commentaires aux TA, je remets leurs évaluations, les graphiques là, qui démontrent leur performance. Parlant d'évaluation, vous devriez avoir reçu une notification, un courriel disant que c'est le début de la période d'évaluation des professeurs. Donc, je vous invite à compléter ces évaluations-là. Est-ce qu'on m'entend bien derrière? Ouais, je vais monter quand même ça un petit peu. Donc, je vous invite à compléter les évaluations d'enseignement dans tous vos cours. C'est important. Les doyens regardent ça, les comités d'enseignement aussi. Donc, c'est super important. Avez-vous, avant que je me lance dans des explications de devoirs, des trucs comme ça, avez-vous des questions ou ça va bien? Ouais. OK. Donc, le devoir 4 est disponible depuis samedi sur le site du cours. Ouf! Mais le devoir 4... vous êtes déjà familier avec. C'est un devoir où on reprend l'idée de l'application Flooded. On vous fournit une solution pour le devoir 3, est ici. Donc, ça, c'est la page du devoir 4. Puis, il y a la solution de Guy Vincent que vous pouvez télécharger là. Entre autres, vous y trouverez peut-être des éléments de réponse. Par exemple, il y a plusieurs personnes qui avaient des grilles un peu espacées, là, les points étaient espacés. Une des solutions pour avoir des points qui sont très compacts, comme ceux-ci, c'est d'éliminer les bordures pour les boutons. Donc, je suis dans la classe Dot Button et il y a un truc qui s'appelle Border Factory, Create Empty Border. Puis là, on peut donner la taille de chacune des dimensions pour les bordures du bouton. Ici, on les met à zéro. Puis ensuite, on dit au bouton, voilà, voici tes bordures. Et ça fait le travail. On a quelque chose qui ressemble un peu à ça. L'autre chose que je veux discuter, je vais essayer de vous faire un petit aperçu de ce qu'il y a à faire pour le devoir. Donc, vous voyez déjà, l'application ressemble beaucoup à l'autre application, mais elle n'est pas exactement pareille. Entre autres, la première différence que vous voyez peut-être, c'est qu'il manque une bordure en bas pour les boutons de couleur. Vous allez voir qu'on va les sélectionner à partir de la grille, les couleurs. Le deuxième changement, c'est que au lieu de débuter toujours en haut à gauche, on peut maintenant choisir où on veut démarrer. Par exemple, si j'observe qu'il y a une belle zone d'orange ici, je peux dire que la première bille pour les inondations, ça va être celle-là. Donc, vous voyez, l'application au départ nous dit il faut sélectionner un point de départ. Je fais ça. Une fois qu'on a fait au moins une opération, les boutons « Undo » et « Redo », selon le cas, deviennent disponibles. Donc là, si je fais « Undo », on revient au tout départ de l'application où on me dit « Tu dois sélectionner un point de départ. » J'ai « OK ». Ce n'était pas vraiment celui-là, je préférerais plutôt le gris ici. Ensuite, pour sélectionner les couleurs, on peut sélectionner directement les billes adjacentes. Par exemple, je peux dire « Ah, le bleu, c'est une couleur intéressante. »
Ensuite, je vois qu'il y a pas mal de mauve. Je vais aller chercher mauve. Ensuite, peut-être rouge. Ensuite, peut-être du jaune. Donc, vous voyez, on va sélectionner à même la grille un exemple de couleur qu'on veut. Donc, ce n'est pas nécessaire que la bille qu'on sélectionne est adjacente à la zone capturée. Il faut juste choisir une couleur dans la grille et ça devient la couleur. Par exemple, je sélectionne ce vert-ci. Toutes les billes de la zone capturée sont maintenant vertes. Si je veux maintenant du gris, je peux prendre une bille grise, etc. Vous avez remarqué qu'il y a le bouton Undo, donc il est possible de défaire chacune des étapes. Vous voyez en bas, 2, 1, je peux même défaire la sélection puis revenir jusqu'au début. Vous voyez que maintenant le bouton Redo est devenu disponible parce que il y a des opérations qui avaient été défaites qui pourraient être refaites. Donc, maintenant, je peux refaire ces étapes-là. J'arrive à un point où le bouton devient non disponible parce qu'il n'y a plus d'éléments à refaire. La pile qui contient les éléments est vide. Ensuite, il y a un petit panneau qu'on peut faire apparaître qui nous permet de jouer en mode plan, comme on joue maintenant, ou en mode tor. Donc, où on imagine que les cellules aux extrémités gauche et droite se rejoignent et celles en haut en bas se rejoignent. Donc, si on le replie comme ça, puis on le replie comme ça, c'est un bang finalement, cette chose-là. Donc, on peut jouer plan ou tore, puis on peut jouer en mode orthogonal, ce qu'on utilisait jusqu'à maintenant. Les cellules adjacentes sont celles qui sont à droite, à gauche, en haut, en bas. Mais il y a aussi un mode où on peut utiliser les diagonales. Donc, on ajoute maintenant 4 autres voisins. Une cellule a 8 voisins. Oui? Dans la version diagonale, est-ce qu'on peut quand même jouer orthogonal aussi? Oui, il y a 8. Il y a 8 directions dans le mode diagonale plutôt que 4. Donc, ça se remplit peut-être plus vite. Oui? Lorsque vous avez cliqué sur le bot vert. Et que vous avez cliqué sur le bot le bot vert que vous avez cliqué n'a pas pris la couleur. Non, parce qu'il n'était pas adjacent à la zone. Donc, vraiment, c'est découplé ces choses-là. C'est comme avant. On sélectionne une nouvelle couleur, toutes les billes qui sont adjacentes à la région capturée et qui sont de la couleur sélectionnée deviennent capturées. Mais c'est simplement une façon peut-être plus esthétique, plus intuitive de sélectionner la prochaine couleur. Ouais. Est-ce qu'au milieu du jeu, on a le droit de changer le type de jeu? Oui, on peut changer en cours de jeu. Ce qui est assez particulier aussi, c'est que quand on fait des opérations undo, donc si j'étais dans le mode orthogonal, je suis passé au mode diagonal, j'ai continué à jouer, puis là, je veux revenir en arrière. Je reviens en arrière, puis au point où on avait fait la transition orthogonale vers diagonale, on va refaire la transition. Je vous dis, on va vendre ce jeu-là, on va faire de l'argent. Ça va être populaire. mais vous voyez, c'est le fun quand même. La qualité est là. C'est un beau jeu. Puis finalement, il y a un truc où, si on est en milieu de partie, puis on quitte comme ça, parce que là, le cours commence ou quelque chose comme ça, après le cours, on se remet à jouer. Puis on revient exactement où on était. On a sauvegardé l'état du jeu. Des heures de plaisir. À jouer. C'est pas trop, ça ne devrait pas être trop long à implémenter. J'espère. Oui?
Ça les garde. OK. Fait que ça, c'est ce que le jeu a l'air. Donc, vous allez pouvoir revoir la vidéo si il y a des détails qui vous échappent. Donc là, j'ai couvert les éléments principaux. Ça peut sembler bien compliqué, certains aspects de cette application-là, mais finalement, le choix de conception qu'on a fait d'utiliser MVC fait en sorte que tout est assez facile, finalement. Si vous vous souvenez, MVC, je vais amener le diagramme du devoir 3. Okay, avec MVC, on a une vue, un contrôleur et un modèle. Bien, maintenant, tout ce qui va se passer, c'est quand on souhaite défaire une opération, à chaque fois qu'on fait une opération, donc par exemple, je sélectionne une couleur, on va prendre une copie du modèle, puis on va le mettre sur une pile. Le modèle va maintenant être changé. On va avoir une zone capturée qui est plus grande. L'usager sélectionne une couleur à nouveau. On prend le modèle actuel, il va sur le dessus de la pile. Et dans le modèle restant, on fait l'opération. Même chose qui va, pour pouvoir faciliter les choses, on va augmenter le modèle de sorte que le modèle va contenir aussi des informations sur est-ce qu'on est en mode tor, en mode diagonale. Tout ça va faire partie du modèle. Quelle est la cellule qui a été sélectionnée? Tout ça fait partie du modèle maintenant, de sorte que quand on veut faire des undo, il suffit de prendre le modèle qui est sur le dessus de la pile. Celui qui est le modèle courant, on va pouvoir le mettre sur une pile avant. On ramène un ancien modèle dans le système. On dit maintenant à la vue, rafraîchis-toi. La vue va simplement relire les informations et s'afficher. Undo à nouveau, prend ce qui est là, va sur une pile forward, prend un élément, celui du dessus de la pile. On ramène le modèle ici. On dit à la vue, rafraîchis-toi. Donc, ça va, grâce à MVC, ça va vraiment être pas si compliqué d'implémenter ces choses-là. Là où il y a des choses qui sont assez intéressantes, à mon sens, au niveau informatique, bien là, ça aussi c'est intéressant, la pile, là, mais c'est au niveau des copies. Donc, pour que tout ça fonctionne, il va falloir qu'on fasse des copies du modèle. Quand je fais un mouvement, quand j'ai sélectionné une couleur, il faut que je prenne une copie du modèle actuel, puis je le mette sur la pile, puis je transforme ce modèle-ci. Pour faire ces copies-là, il va falloir être prudent. Il y a deux façons de copier les objets. Et la différence est liée au concept de référence. Donc, il y a un premier mode, puis ça serait peut-être plus simple si je fais des dessins sur ça. Donc, on va aller ici. OK, donc il y a des copies superficielles, shallow copy. Puis, il y a des copies profondes, deep copy. Dans une copie superficielle, puis ce n'est pas celle-là que vous devez faire, si A désigne un objet et que je fais une copie de cet objet-ci, la voici, mais que j'ai simplement copié les références
de l'objet courant vers le nouvel objet créé. Si j'ai simplement copié les références, l'objet copié et l'objet original vont partager des références vers des objets, ce qui est absolument problématique. Je vous explique dans une minute pourquoi c'est problématique. Même chose ici, je change de couleur, on voit que time et time. Donc, à partir de la référence A, si je m'en vais dans l'objet désigné et je suis time, j'arrive au même endroit que si je pars de B, je m'en vais dans l'objet qui a été créé, je suis la référence B. Si je posais la question, est-ce que A.time égal B.time, la réponse serait oui, et c'est un problème. C'est un problème parce que si je fais A.time.start.hours égal à quelque chose, par exemple 12 ici, maintenant B.time.start.hours est aussi 12. Donc, avoir des copies partagées, c'est problématique. Si vous pensez au jeu Flood It, vous avez fait le travail de copier, on va dire cloner dans une minute. Vous avez cloné le modèle pour en mettre une copie sur la pile. Vous faites un changement dans le modèle et ça fait un changement dans le modèle qui est aussi sur la pile. Ça ne sert à rien. Donc, c'est important de découpler les objets qui ont été recopiés ou on dit plutôt clonés. J'efface mes petits dessins, puis je vous reviens. Clear. OK. Donc, ce qu'il faut faire, pourquoi je ne trouve pas mon petit dessin? Ce qu'il faut faire, c'est les copies profondes. Okay. Faire une copie profonde, ça veut dire que je recopie cet objet-ci et ensuite, pour chacune des références qui pointent vers des objets, je demande à ces objets-là de se recopier eux aussi. Donc, maintenant, la variable time, à partir de la référence B, pointe vers un nouvel objet. Puisque start est une référence, il aura fallu qu'on demande à cet objet temps de se cloner aussi. Donc là, on a obtenu une nouvelle copie. OK, donc, l'idée est assez simple, finalement. C'est que quand j'ai une référence qui pointe vers un objet, j'en fais une copie, je regarde toutes les variables, si c'est des variables références, je demande aux objets désignés de se recopier aussi, de se cloner. Si ceux-ci ont des références qui pointent vers des objets, on demande à ces objets-là de se cloner eux aussi. Ça nous permet d'obtenir deux réseaux d'objets et de références qui sont indépendants l'un de l'autre, de sorte que quand on fait des modifications dans l'une des structures de données, l'autre garde sa valeur présente. Ça vous va-tu? Oui. Le codage de ça? OK, donc il y a c'est un petit peu plus loin dans l'énoncé. Sélection, voisinage, clonage. Donc, tout en haut dans la classe objet, il y a une méthode clone. La méthode clone, elle va lancer une exception si on l'appelle, sauf si la classe de l'objet implémente l'interface clonable.
Je vais effacer ça, je vais recommencer. Donc, j'ai créé, par exemple, ma classe temps. Time implements clonable. En fait, peut-être c'est plus simple si on fait un exemple complet ici avec un éditeur. Essayez de faire ça vite quand même parce que j'aimerais faire d'autres choses aujourd'hui. On va faire new. Je vais créer un objet de temps. Donc, public class time private int hours minutes seconds. Puis je sauvegarde ça. Donc, dans time.java. OK. On va laisser ça comme ça. On va compiler la chose. CD desktop. Mettre ça un peu plus gros pour qu'on voit ce qui se passe. Alors, Java C time. Ça compile. Je peux aller dans mon test ici. Time T. T égale new. On va se mettre un constructeur pour que ça nous simplifie les choses. Public time int h int. Finalement, on va simplifier un peu la vie. M comme minute, comme ça. Hours égale à h. Minute est égal à m. Ici, new time. On va débuter à 13h00, comme ça. On va voir, ça compile. Java C test, ça compile. OK, c'est là qu'on commence vraiment à parler de clone. Je pourrais essayer de faire quelque chose comme time T2. T2 est égal à t.clone. J'essaie de compiler ça. OK, la méthode est, okay. La méthode est protected. Donc, il faut être à l'intérieur pour faire mon exemple. C'est vrai, j'avais oublié ce détail-là. On va créer une méthode public time getCopy. Puis getCopy, on va faire return. On va appeler notre méthode clone qu'on a hérité. Ça devrait pas marcher mon truc. Ça devrait pas marcher parce que j'ai pas sauvé aussi. OK. J'aurais peut-être pas dû me lancer dans ça comme ça. Évidemment que le clone retourne quelque chose de type object. Il faut faire un typecast ici. OK, c'est là où je voulais être. On ne peut pas utiliser la méthode clone sans réflexion. Les concepteurs de Java étaient bien au courant du défi qui existe entre les copies superficielles puis les copies profondes. Il y a une méthode clone qui a été implémentée dans la classe objet qu'on hérite. Et cette méthode-là a fait une copie superficielle. Quel genre d'objet on peut faire des copies superficielles sans problème? Oui. Ceux qui ont que des variables d'un type primitif,
on peut en faire des copies superficielles, puis ce n'est pas dangereux. Est-ce que la classe Time serait un bon candidat pour les copies superficielles? Oui. Alors, je peux dire, j'ai fait ma réflexion. Une copie superficielle suffit. Implements, clonable. Je pense que ça s'écrit comme ça. Non. Comment ça s'écrit, clonable? Attendez, on va regarder dans... Est-ce que ma syntaxe n'est pas correcte? Clonable. Ça devrait être pourtant comme ça. Hein? Java C, time.java. Ah, il faut aussi attraper. OK. Si je suis... Ça devrait être comme ça. Clonable. Pourquoi pas? Est-ce qu'il faut attraper l'exception? Et je me suis embarqué dans quelque chose. Time, copy. X. Copy est égal à ça. Catch. OK. Nul. Comme ceci, ça compile. OK. Ensuite, T2 est égal à t.getCopy Java C test.java. Java test. Donc, ça a fonctionné comme ça. Donc, je vous explique ce que je viens de faire maintenant. OK, donc, il faut dire à la machine Java virtuelle, à l'environnement Java, la copie superficielle me convient, dans ce cas-ci seulement. La copie superficielle me convient, implements clonable. Ensuite, j'ai appelé la méthode clone que j'ai héritée, elle m'a fait une copie superficielle. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas eu d'exception qui a été lancée, puisque j'implémente l'interface clonable. Donc, tout a fonctionné, j'ai retourné la copie de l'objet. Donc, ça, c'est pour une copie superficielle. Dans votre cas, une fois qu'on a obtenu la copie superficielle, il faudra regarder chacune des variables, faire des clones des objets désignés et faire en sorte que la copie modifiée désigne l'objet qui vient d'être cloné. Donc, on fera ce processus-là en cascade. Oui? Je veux juste savoir, la partie catch et le catch, ça sert à faire quoi? Ça sert à ce que on attrape l'exception qui serait lancée si notre classe n'implémentait pas l'interface clonable. Donc, si je fais ça, si je fais Java C, est-ce que j'ai sous... Ah, open, time, OK, j'enlève cette partie-ci,
Je compile time. Donc, ça time compile. J'essaie mon test. Quand on a exécuté la méthode clone a regardé est-ce que la classe de l'objet réalise l'interface clonable? Non. A lancé l'exception au moment de l'exécution. Pour qu'elle fonctionne, cette méthode clone-là, il faut que j'étiquette ma classe. Je dis cette classe-ci, la méthode clone qui est fournie par la classe objet, elle est tout à fait adéquate. Lumière verte, donne-la-moi. À ce moment-là, quand on fait un appel à la méthode clone, elle va regarder, elle va dire « Oh, time est une classe qui est, le seul mot qui me vient en anglais, là, sécuritaire, mais safe, une classe de laquelle on peut créer des copies superficielles, elle va fonctionner parfaitement, il n'y aura pas d'exception qui est lancée. » La raison pour laquelle il faut mettre ça dans un bloc try-catch comme ça, c'est que clone not supported exception est une exception à déclaration obligatoire. Donc, je n'avais pas le luxe d'ignorer. Donc, c'est un petit peu compliqué, oui. Oui. Il me semble que les tableaux sont clonables, mais qu'ils vont faire une copie superficielle. Donc, le premier tableau, tu vas obtenir une copie du premier niveau, mais les références vont être partagées, ce qui n'est pas ce que tu veux. Donc, il va falloir que toi-même, tu clones les rangées. OK. Donc, ça, c'est à peu près la partie qui va vous demander plus de réflexion dans ce devoir-là. OK? Donc, je vous laisse le regarder, y réfléchir un peu, puis au prochain cours, on peut peut-être se parler de ça si vous avez des questions. OK? Puisque là, ça fait quand même 30 minutes, c'est pas mal de temps pour discuter du devoir. OK? Fait, je vais me lancer dans les sujets du jour. OK, donc on va poursuivre notre discussion sur les fils. OK, donc le concept de fil est un concept assez simple où c'est une structure de données, on ajoute des éléments. Quand on ajoute, c'est toujours à l'arrière et quand on retire des éléments, c'est à l'avant. Donc, c'est une structure intuitive, c'est comme dans la vraie vie. On a vu une première implémentation à l'aide d'éléments chaînés, puis on a vu que, puisqu'on accède à la structure de données aux deux extrémités, il fallait garder une référence vers chacune de ces extrémités-là pour que les opérations soient rapides. Il y aurait eu deux façons de sauvegarder les éléments, soit que l'élément le plus près de l'objet linked queue est l'objet avant, ou soit que c'est l'objet arrière. On a vu qu'il y avait une seule des deux implémentations qui était logique, c'est celle du bas. C'est celle du bas parce que pour ajouter un élément à la fin, il faut transformer la variable d'instance next du dernier élément. Pour ça, il faut avoir une référence vers le dernier élément. Dans le cas ici, si on voulait retirer le dernier élément, il fallait transformer next de l'élément avant. Ça ne fonctionnait pas bien. OK? Donc, c'est ce qu'on a vu au dernier cours. Aujourd'hui, on aimerait voir comment est-ce qu'on peut implémenter une file, mais à l'aide de tableaux. Vous allez voir qu'il y a quelques petites complications qui arrivent. Rien d'insurmontable, évidemment.
OK, donc, on a notre fil. Les méthodes pour ajouter et retirer s'appellent NQ et DQ. NQ ajoute, DQ permet de retirer un élément. Ça, c'est l'interface. Puis, on souhaite implémenter notre fil à l'aide de tableaux. Okay? Donc, au lieu d'utiliser des éléments chaînés, on va utiliser un tableau. Je me transporte ici pour une minute. OK, donc, j'ai commencé déjà une première implémentation. Alors, j'ai appelé ça class ArrayQueue, implements queue. Donc, queue, c'est notre interface qui comprend isEmpty, NQ, DQ. La dernière fois, quand on s'était parlé de l'implémentation d'une pile à l'aide d'un tableau, je vous avais présenté ma technique que j'utilise pour développer des implémentations d'interface. Je vous avais dit que pour que la classe compile, dans ce cas-ci, la classe ArrayQueue, pour qu'elle compile, il faut qu'on retrouve toutes les méthodes qui sont décrites dans l'interface. Peak, NQ, DQ, isEmpty. Est-ce que Peak était vraiment là? Peak n'était pas là. Donc, on va éliminer Peak, ça va nous en faire une de moins, puis ça va nous faire plus d'espace sur l'écran. Je vous avais dit que je crée des méthodes comme ça pour que le code compile. Puis, ce que je faisais, je vais éliminer ça ici, je vous avais dit, au début, avant que j'ai implémenté la méthode, pour que ça compile, puisqu'il y a une valeur de retour, j'avais suggéré, je fais return null. Puis là, je fais des implémentations en français. J'ai cherché durant le week-end, on appelle ça des implémentations bouchons en français. Je n'avais jamais entendu ça. En anglais, on parle de stub. C'est des implémentations qui sont partielles, qui sont là juste pour que le compilateur soit heureux, qu'il veuille bien compiler le code. Je vous avais proposé ce style-ci. Le compilateur est heureux, il faut retourner quelque chose, je retourne nul, ça marche. On n'avait pas encore vu les exceptions à ce moment-là. Une autre façon de faire des bouchons, des stubs, c'est d'utiliser les exceptions. Puis, si je mets la méthode DQ, lance unsupported operation exception, avec un message intelligent dedans. À ce moment-là, donc là, celle-là, c'est ArrayQueue. À ce moment-là, on satisfait le compilateur. Le compilateur est heureux, il dit, bon, OK, je vois bien que c'est une implémentation partielle, c'est une implémentation que l'usager va corriger plus tard. OK, donc ça, c'est une autre façon. L'avantage de celle-là, c'est que si vous oubliez d'implémenter quelque chose, ça va lancer des exceptions durant l'exécution. Donc, ça va vraiment être évident. Oups, j'avais oublié d'implémenter une méthode. Il y a une exception qui est lancée. Vous vous étiez mis un commentaire intelligent. Cette méthode n'a pas encore d'implémentation. Vous allez dire, ah, j'avais oublié. Vous allez remplacer le code. Ça vous va? C'est juste une autre idée pour avoir des solutions qui sont toujours valides à tout moment. OK, donc, on parle d'implémenter une file à l'aide d'un tableau. Donc, j'ai déclaré une variable d'instance, lms, qui va pointer vers un tableau. Dans mon constructeur, je crée ce tableau-là. Et comme ça pose un
ça génère un petit message au niveau de la compilation que j'aime pas. Donc, j'ai ajouté ici « Suppress warnings ». Donc, pour l'instant, je vous propose que j'ai une variable d'instance que j'appelle « rear » qui va me permettre de mémoriser l'endroit où j'ai déposé l'élément arrière à l'aide de la méthode NQ. Okay. Pour que ce soit peut-être plus clair, on va l'implémenter ici. Ce que je propose, c'est quelque chose comme ceci. Au départ, rear est égal à nul, est égal à nul, oui, est égal à zéro. Quand j'ajoute quelque chose, non, je vais commencer avec rear est égal à moins 1, de sorte que je peux faire rear est égal à rear plus 1, elems de rear est égal à value. OK, donc au début, la valeur de arrière, c'était moins 1. J'aime imaginer que c'est comme je suis juste devant le début du tableau. Je fais un ajout, rear égale à rear plus 1. Je passe de moins 1 à 0. J'ai ajouté la valeur en position 0 du tableau. J'ajoute un autre élément. Rear est égal à rear plus 1. Ça vaut maintenant 1, j'ajoute à la position 1. OK? Je vais ajouter des valeurs comme ça. Si j'ai pris cette stratégie-là, bon, on peut peut-être régler le cas de isEmpty. Quelle va être la façon ici de détecter si cette file-là est vide? Rear est égal à moins 1. Donc, return. Rear égale égale moins 1 va être notre façon de détecter si la file, elle est vide. Qu'est-ce que vous me proposez pour implémenter la méthode DQ? Comment est-ce que je vais pouvoir retirer un élément de cette file-là? On en a déjà un de tableau? Copier dans un nouveau tableau ou? On pourrait tout recopier dans un autre tableau, changer les références. Ça pourrait être une façon. J'y vois pas nécessairement un avantage. Peut-être, si on regarde, si on dessine quelque chose, comme je vous dis, ça marche pour moi. Quand je dessine, il me vient des idées. Alors, okay, ce qu'on a, ça ressemble à ceci. Mettons, j'avais 3 éléments dans cette file-là, A, B, C. La valeur de rear, ce serait 2. L'ajout est facile. L'ajout, on le sait, il suffit d'incrémenter puis on ajoute quelque chose à la fin. L'ajout est simple. Pour le retrait, forcément, il faut que nos éléments soient toujours à partir de la cellule 0, sinon on a des problèmes. On pourrait copier tous les éléments vers la gauche. Je pourrais faire ça. Ça ne me prendrait pas trop de temps à écrire le code, je pense.
Je pourrais avoir une implémentation. Juste qu'il jase un peu. Allez, allez. Ça ne tente pas. Ah, OK. Alors, je pourrais sauvegarder ce qui est à la position 0. Donc, CDE, saved, saved est égal à elems de 0. Donc, évidemment que il faudrait aussi vérifier là, les préconditions, mais je laisse ça comme exercice. Là. Ça prendrait juste un petit peu plus d'espace sur l'écran, puis on n'en a pas beaucoup. Donc, je pourrais tout copier, tout décaler vers la position 0. Donc, quelque chose comme for int i égale à 0, i est plus petit que, puis là, on va voir, est-ce que c'est rear, est-ce que c'est rear moins 1, on va déterminer ça dans une minute. I plus plus, on va faire elems de i est égal à elems de i plus 1. Puis à la fin, on fait return saved. Là, il nous reste juste à déterminer ici, si j'ai un seul élément, rear est égal à 0. Si j'ai deux éléments, rear est égal à 1. Il fallait donc s'arrêter à 0. Donc, ça devrait être correct ce que j'ai écrit là. On va faire une seule itération. On va prendre ce qui est à la position 1. On va le déplacer à la position 0. OK. Donc, on pourrait avoir une boucle comme ça où on va tasser tous les éléments de sorte qu'on utilise toujours la partie du début du tableau. Qu'est-ce que vous pensez de ma solution? Elle va fonctionner. Oui? C'est une grosse liste. Oui. Si la file contient énormément d'éléments, les opérations vont être coûteuses. On vient d'introduire une dépendance entre le nombre d'éléments qu'il y a présentement dans la file et le temps de calcul pour la méthode DQ. Plus il y a d'éléments, plus il y aura d'éléments à décaler d'une position. Si on est capable d'éviter cette dépendance-là entre le nombre d'éléments présentement dans la file, ce serait avantageux. Donc, on a besoin d'une solution. Oui? Est-ce que ça marcherait d'avoir comme une variable rear, une variable front, dans tes input, et tes modules, genre? Alors, on va y aller une étape à la fois, si tu me permets. Quand on utilisait des éléments chaînés, on s'était dit, ce qui nous permet d'ajouter à l'arrière rapidement puis de retirer à l'avant rapidement, c'était de maintenir une référence vers l'élément avant puis de maintenir une référence vers l'élément arrière. Donc, la proposition qu'on a ici, c'est dans le tableau, on va se souvenir de la position avant et de la position arrière des éléments. Donc, ça ne change rien pour NQ. Si vous imaginez, j'ai mon tableau, quand j'ajoute, j'incrémente arrière et j'ajoute à cette position-là. Bien, on va faire la même chose avec DQ. On va enlever toutes ces choses-là. Bon, en fait, on va modifier front comme ça. On n'a plus besoin de la boucle. On va avancer front. On va dire front est égal à front plus 1.
moins. Donc, on va donner une valeur à front aussi. Quand on va ajouter à la file, il faudra aussi s'assurer que si front est égal à moins 1, à ce moment-là, on va faire front est égal à 0. Quelque chose comme ça. Okay? On est en train de bricoler notre truc. Donc, DQ, je sauve ce qui est à la valeur, à la position front. J'incrémente la valeur de front. Je retourne ce qui a été sauvegardé. Il manque au moins une chose ici, là. Mais j'ai le goût de faire un petit diagramme pour illustrer ce qui se passe avec notre implémentation jusqu'à maintenant. OK, je me trouve un diagramme. OK, donc maintenant, ça ici, c'est l'objet de la classe ArrayQ qui possède trois variables d'instance, LMs, front, rear. On a dit qu'au début, on avait moins 1 dans nos deux variables. Je fais un appel à NQ. Alors, on dit rear égale à rear plus 1, donc rear est égal à 0. À la position 0 de LMs, on met une valeur. Je fais un autre appel à NQ. Rear est égal à rear plus 1. J'ai maintenant 1 dans ma variable d'instance rear. À la position 1 du tableau, je mets un élément. On en fait un troisième, juste pour qu'on ait au moins 3 éléments dedans. Rear est égal à rear plus 1, ça vaut 2. À la position 2 du tableau, j'ai ajouté mon élément. J'avais oublié, front est égal à 0, effectivement, c'est ce que j'allais dire, comme ça. Là, je fais un premier appel à DQ. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit pour DQ, saved, puis je vais changer de couleur pour qu'on voit, saved est égal à LMs de front. Donc, save désigne le même objet que LMs de 0. Ensuite, on avait dit front est égal à front plus 1. Donc, l'avant est maintenant ici. Qu'est-ce qui me manque si vous vous penser à notre implémentation à l'aide d'un tableau pour une pile. Ouais? Le memory scrubbing, le nettoyage de la mémoire. Ici, j'aurais dû mettre une référence nulle dans cette position-là. Donc, je corrige ça. Je reviens ici. OK. Donc, j'ai sauvé ce qui était à la position LMs de front. Je peux maintenant dire LMs de front est égal à nul. On appelle ça memory scrubbing. OK? On a nettoyé la mémoire. OK? Donc là, c'est plus propre. Je refais un autre appel à DQ. Donc, je vais effacer ce que j'ai ici. On dit saved est égal à LMs de front. Front a la valeur 1. Donc, saved pointe au même endroit que LMs de front. On va maintenant dire
LMs, the front est égal à nul. Donc, on va mettre une référence nulle ici. On va avancer l'index avant, donc front est égal à front plus 1, donc ça vaut 2 maintenant. L'avant est maintenant ici dans le tableau et on a seulement un seul élément qui est accessible. Oui? Oui. Mais comme ces positions-là sont encore, sont toutes nulles, mais ils ne prennent pas encore de la place dans la mémoire. Oui. Oui. On arrive là dans une minute. Tu as une bonne intuition. Donc, je vous ramène le code, puis on explore un peu l'idée que Gabriel vient de suggérer. Vous avez tout le code à l'écran, là. Le code est très, très simple. NQ, on incrémente rear, on dépose la valeur à la position désignée par rear. NQ va toujours dans une même direction. Rear, on ne fait que l'incrémenter. Rear égale à rear plus 1, je dépose quelque chose à cette position-là. Rear égale à rear plus 1, je dépose. Arrière se déplace dans la direction droite. Quand je fais des DQ, je sauvegarde ce qui est à la position désignée par front, j'incrémente front. Je sauvegarde ce qui est à la position désignée par front, j'incrémente front. Front se déplace dans une seule direction aussi, et c'est la même direction que rear. Qu'est-ce qui arrive donc avec notre fil? J'ajoute, l'arrière se déplace. Je retire, l'avant se déplace dans la même direction. J'ajoute, retire, j'ajoute, je retire. Éventuellement, on va taper dans l'extrémité droite du tableau, mais il se pourrait très bien qu'on ait plusieurs cellules qui sont inoccupées dans le tableau. On peut facilement arriver avec la situation que je vais présenter dans une minute. On va effacer. OK. Si je fais suffisamment de NQ, DQ, je peux me ramasser avec une file comme celle-ci. Front, rear. Dans ce cas-ci, front, c'est 6, arrière, c'est 7. Je pense que ce qui t'embêtait pas mal, Gabriel, c'était toutes ces cellules-là qui sont inoccupées. Il semble y avoir un très grand gaspillage de mémoire. Entre autres, ici, s'il y avait un appel à NQ, bien, on ne peut plus incrémenter arrière. On va dépasser l'extrémité du tableau. On va avoir index out of bound exception. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y aurait évidemment une solution où on va bouger les éléments vers le début du tableau. Ce serait une solution. Qu'est-ce qui est désavantageux de cette solution-là? Pardon? Quand
Oui, mais là, c'est correct parce que les prochains NQ vont utiliser cet espace-là. Parce que là, mon problème était que il était maintenant impossible d'ajouter des nouveaux éléments. Maintenant, en bougeant tout ça vers le début, ça fonctionne. Oui. Bien, pour le nombre d'éléments, on va utiliser la même technique qu'on avait pour les piles. On pourrait avoir un tableau dynamique. On pourra grandir le tableau au besoin. Qu'est-ce qui est le problème à implémenter notre file de cette façon, de la façon que je propose que lorsque la file a atteint l'extrémité du tableau, on déplace tous les éléments vers le début? Qu'est-ce qui est problématique? Oui? On a encore une fois une dépendance. Si j'avais maintenant, je ne sais pas, un millier d'éléments qui sont à la fin du tableau, puis je veux les déplacer vers le début, il y aura 1000 opérations. S'il y avait 2000 éléments à déplacer, il y aura 2000 opérations. C'est coûteux. Il y a donc une solution à ce problème-là qui est élégante puis qui peut même être utilisée lorsqu'on fait des implémentations des fils en matériel, donc à l'aide de circuits électroniques. Parce qu'effectivement, je ne l'ai pas encore mentionné, là, mais les fils sont souvent implémentés dans les circuits logique des ordinateurs, une carte réseau. La carte réseau de l'ordinateur reçoit des paquets d'informations, puis elle les dépose dans une file. La carte réseau, elle est matérielle. L'implémentation est réalisée avec des circuits logiques. Donc, il y a une technique qu'on utilise pour les fils, qui est les tableaux circulaires. Alors, avec un tableau circulaire, les choses fonctionnent de la même façon qu'ils fonctionnaient depuis tout à l'heure. Au début, je vais ajouter mon premier élément à la position 0. J'en ajoute un suivant, bien, j'incrémente la variable arrière. Sa valeur, c'est maintenant 1. J'ajoute un élément là. Je vais en ajouter un autre. Rear égale à rear plus 1. Je suis maintenant à la position 2. J'ajoute un élément là. Donc, comme la logique est la même. Pour ajouter, il suffit d'incrémenter la variable rear de 1. On sauvegarde la valeur à cette position-là. Pour retirer des éléments, la logique est comme avant. On sauvegarde ce qu'il y avait là. Saved est égal à elements de front, puis on met une valeur nulle dans la cellule, on incrémente front, l'avant s'est déplacé. OK, donc, c'est exactement comme tout à l'heure où on va, à chaque fois qu'on ajoute, c'est arrière qui est incrémenté. À chaque fois qu'on retire, c'est avant qui est incrémenté. Donc, si on en fait plusieurs, on ajoute à l'arrière, on retire à l'avant. Ah, vous avez, c'est pas rafraîchi. OK, on a retiré à l'avant. Fait que là, maintenant, l'avant est en position 3. L'arrière est en position 5. J'ajoute des éléments. G, H. Je suis maintenant rendu à la frontière. L'arrière est ici. Je retire des éléments. Donc, je vais retirer des F, par exemple.
de sorte que l'avant est maintenant en position 6. Donc là, ma file est rendue à l'extrémité du tableau. Puis l'idée d'une file circulaire, d'un tableau circulaire, c'est qu'on va continuer dans la même logique. On incrémente la valeur de arrière, puis on va continuer à utiliser les éléments dans le même. On va utiliser les cellules du tableau dans le même ordre. On va toujours ajouter à l'arrière et retirer à l'avant. Je retire des éléments, je retire le G, je retire le H, je retire le I, j'ai maintenant un seul élément. Okay, donc, on va incrémenter arrière afin d'ajouter, on va incrémenter avant afin de retirer. Ça va toujours tourner dans la même direction. Comment est-ce qu'on pourrait implémenter cette chose-là? Oui. Modulo. Si on n'est pas super à l'aise au début avec modulo, c'est quand même pas très difficile. Si arrière est égal à la taille, une fois que j'ai incrémenté, donc rear est égal à rear plus 1, j'ai un tableau ici à 8 positions, rear avait la valeur 7, 7 et 1, ça fait 8, 8 c'est la taille de mon tableau, il suffit de dire rear est égal à 0, puis on va commencer à réutiliser les cellules du début du tableau. Donc, on pourrait soi-même implémenter ce mouvement-là où, lorsqu'on dépasse la fin du tableau, on recommence au début. Mais effectivement, il existe une opération qui nous permet de faire exactement ce qu'on veut. C'est l'opération modulo. Donc, il suffit de faire rear est égal à rear plus 1, mais de faire cette opération-là, modulo la taille de notre tableau. Donc, si j'ai un tableau à 4 positions, quand rear est égal à 3, quand je fais rear égal à rear plus 1, 3 devient 4, 4 modulo 4 nous donne 0. Oups! On commence à réutiliser les cellules du début du tableau. De la même façon, quand j'ai retiré le dernier élément, avant avait, dans le cas de l'exemple qu'on a à l'écran, avant avait une valeur 7, la position avant se déplace vers le début du tableau, front égale à front plus 1. Je fais l'opération modulo la taille du tableau et on aura ce phénomène-là de bouclage. En anglais, on dit « wrap around ». On va revenir au début du tableau. OK, donc, on peut peut-être mettre ça dans notre implémentation pour voir ce que ça donne. OK, donc, on est revenu ici. Donc, quand on ajoute, il suffit de faire modulo la taille du tableau. Quand on incrémente la variable avant, on va faire ça, modulo la taille du tableau. Donc ça va nous permettre NQ lorsqu'on va
souhaiter dépasser l'extrémité du tableau, on va recommencer à zéro et réutiliser les cellules du début. De la même façon, quand la file, la portion avant est à la fin du tableau, on va faire revenir avant vers les positions de départ à l'aide du modulo ici. Il nous manque juste une chose dans notre implémentation pour que tout ça fonctionne bien. Qu'est-ce qui est dangereux avec l'implémentation qu'on a actuellement? Oui? Pardon? Ah, isEmpty, il faudrait le corriger effectivement. Je vais effacer ce que j'ai là. Qu'est-ce qui est dangereux avec cette implémentation-là? Ouais. On pourrait avoir des collisions, on pourrait avoir des situations où j'ai ajouté des choses, A, B, C, D, E, F, G, H. Il n'y a jamais eu d'appel à DQ. Je fais NQ à nouveau, je commence à écrire par-dessus la position avant. Donc, il peut y avoir des collisions. Donc, il nous faut une façon de déterminer si cette file-là est pleine. On a besoin d'une méthode isFull qui va nous permettre de déterminer si, entre autres, il ne faudrait pas plutôt créer un nouveau tableau plus grand parce que celui-ci est plein. Comment est-ce qu'on peut détecter une situation où notre tableau est rempli à capacité? Une solution derrière là, pardon? Ah, c'était toi en rouge. Malheureusement, non. Malheureusement, ça ne marche pas, ce que tu proposes. Attends un peu. Je ne sais pas si je vais être capable de faire ça rapidement. OK. Ici, j'ai un paquet de tableaux pour démontrer le problème. OK. Avant et arrière, quand j'ai un seul élément. J'ajoute, on va dire que arrière, c'est celui qui est en bas. Donc, j'ajoute, j'ai A, B, l'avant, c'est A, l'arrière, c'est B. Je vais maintenant retirer un élément. Je retire le A. J'ai seulement B dans ma file. Je retire un élément. Je vais donc faire avancer avant. J'ajoute un élément. On fait rear est égal à rear. Bon, on va faire ça en bas. Rear est égal à rear plus R. J'ai C. J'ajoute un élément, je vais avoir C, D. Donc, ça, c'est avant, arrière. J'ajoute un élément, l'arrière va passer ici. J'aurai donc C, D et E. Ça, c'est l'avant. J'ajoute un élément, j'ai E, F, C et D. Donc, l'arrière, c'est ici. Attends un peu, il faudrait que j'efface. Allez, va-t'en. Celle qui était vide, ça aurait dû être celle-ci. Il est impossible, si tu peux jouer avec les diagrammes comme ça, là,
il est impossible de faire la distinction juste à l'aide des index avant et arrière. Il est impossible de faire la distinction entre une file qui est remplie à capacité, comme ça, ou arrière est avant, avant, et une file qui serait, par exemple, vide. Okay. Celle-là, ici. Vous pouvez jouer, si ça vous tente, là, mais il n'y a pas de distinction simple entre une file qui est remplie à capacité puis une file qui est vide. Mais il y a tout le temps des solutions. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oui? On pourrait imaginer une variable d'instance qui s'appelle new, disons, ouais. Égalerait à 0, puis quand ça fait un loop, ça fait 1. Bien, si c'est 0, ça fait un loop, ça égale à 1. Puis si c'est 1, ça fait un loop, ça égale à 0. Ça fait constamment ça. On pourrait avoir une variable d'instance qui nous dit est-ce que je suis une file vide ou pas, par exemple. Quand elle devient vide, on met cette variable-là à vrai. La solution la plus simple, c'est probablement peut-être celle que tu as. Ah, j'aime pas tellement l'idée de regarder dans les cellules puis voir s'il y a une nulle ou pas. Là. Je trouve ça fragile comme implémentation. Ça risque de causer des bugs. La plus simple, c'est peut-être de compter les éléments. Si j'avais un compteur. Puis en fait, si j'ai un compteur, je serais capable juste de d'avoir la position avant, puis je peux trouver l'arrière comme étant avant plus le nombre d'éléments, modulo la taille. Donc, je pourrais m'en tirer de cette façon-ci. Okay? Donc, il y a plusieurs façons de faire. Il y a une autre façon de faire que j'implémente parfois qui est quand je suis passé d'une situation où j'avais un seul élément, avant et arrière étaient égales. Je retire cet élément-là. Normalement, quand on retire, ce qu'on aurait fait, c'est qu'on aurait fait avancer avant, puis on n'aurait pas bougé arrière. Bien, ce que je peux faire, c'est quand je passe de la configuration où j'ai un seul élément et je le retire, je pourrais tout simplement mettre avant et arrière à moins 1, une valeur sentinelle qui m'indique ceci est une file qui est vide, elle ne contient pas d'éléments. Donc, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. On pourrait compter les éléments. On pourrait avoir des variables supplémentaires qui nous disent est-ce que je suis vide ou pas. Ou on pourrait détecter les situations où on passe d'un seul élément vers aucun élément et utiliser des valeurs spéciales pour avant et arrière afin d'indiquer cette idée-là. OK, je pense que j'ai pas mal utilisé tout le temps qui m'était alloué. Donc, prochain cours, on va utiliser nos fils pour faire implémenter un algorithme qui est utilisé en intelligence artificielle qui s'appelle Breadth First Search. Ça va bien?
Is that loud enough? Right there, turn it up. What do you say? Loud enough or louder? Can you hear? Louder? Better? It's not even on. Getting nothing? You think after this many weeks I would notice that? Still nothing? Not making any difference? Battery's dead. Okay, thank you. Right. How about now? Still nothing? Still nothing? Try again. Anything? Anything? Any noise back there? Getting louder? Not getting louder? What's wrong with this? Should be, I can hear it a little bit. Yes.